ma télécommande ou je te transforme en patate à roulettes. Bon, Roquette de lâcher mon boomerang, sinon Bill va lui mettre la pâtée. Le truc qui gigote derrière lui, c'est un chien. J'ai cru que c'était une saucisse. Espèce de saucisse. Je connais une andouille qui va l'avoir sur le dos, la saucisse. Appelez-moi sa majesté des chiens. Allez, Roquette. Bien joué, Bill. Les garçons, j'ai trois places pour aller voir le concert de Crystalline ce soir. Ça va être génial. Il paraît qu'il y a des centaines de drones lumineux sur scène. Vous imaginez? Lâche ma télécommande, Sid. Tu m'as dit de le lâcher. Vous avez entendu? Crystalline, concert. Vous allez nous payer, toi et ton rase-moquette. Stop. Merci pour les oreilles. Je voulais vous inviter au concert de Crystalline ce soir, mais comme vous passez votre temps à vous disputer, je vais proposer ces places à Pouf et à Nolan. Mais non, on veut y aller. Vraiment? Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas vous prendre le chou et faire des histoires? Bah, on est copains. On est même super copains. Hein, Axel? Aïe. Les copains, ça ne se dispute pas. Hein? Meilleurs copains, même. Ils ont complètement craqué ou quoi? D'ailleurs, on allait jouer à la maison entre meilleurs copains. Hein, Axel, tu veux venir avec nous? Est-ce que ça veut dire que la grosse truffe ici présente va venir chez nous? Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Je sais pas, une partie de balle aux prisonniers? Ramène des pluches tant que t'y es. J'ai plus d'idées, t'as qu'à proposer, toi. C'est pas ma faute si t'as que des jeux de bébé. Meilleurs copains? Je voulais dire, oh chouette, on adore jouer à ça depuis qu'on est bébé. Je vous en demande pas tant. Non, ce que je me disais, c'est... Est-ce que vous seriez capable de faire quelque chose de sympa, trop cool tous les deux? Genre... me rapporter le piano près des poubelles avant que les encombrants ne viennent le prendre. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Oh, mais ça va nous prendre la journée. Sinon, il y a celui qui est chez moi. Peut-être que si je demande à mes parents de... Je veux un piano à moi. T'inquiète, Noisette, je vais te le rapporter, moi, ce piano. Non, moi, je vais te le rapporter avec Bill. Faudrait prendre l'habitude de me consulter avant de parler. Vous y allez ensemble ou pas de concert? Ok. Caro, je te confie Noisette jusqu'à la fin de notre mission. Bill. Tu demandes à une tortue de prendre soin de moi? Waouh, merci. À tout à l'heure, les garçons. Je suis sûre que vous allez faire une équipe de choc. Si cette bande de sardines avariées croit que je vais les laisser rapporter un piano sur la truffe, elle rêve. J'ai toujours détesté le piano. Tu tombes bien, Georges. Non, 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 attends, tu as contre toi, là, je vais être malade. Arrête. Le dernier arrivé au piano est une crotte de vôtre. On a l'habitude de le dire, ça va être son nouveau surnom. Attention au virage à droite. Désolé. Allez, on fonce. Bah les pattes, chien des bois. Doucement, Roquette. Hé, Roquette, tu feras gaffe, t'es à poil. Debout toi-même. Allez, encore un petit effort. On a parcouru combien? Je dirais 10 bons centimètres. Si ce truc avait des roues aussi. C'est difficile à croire, mais je crois que tu viens d'avoir une bonne idée. Ah, les voilà. Allez. Ça avance plus. T'as raison, c'est bizarre. Mais
C'est pas un piano à queue. Je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Bon, nous avons un ennemi qui veut nous empêcher de mener notre mission à bien. On a l'impression que tu parles d'une diligence autour des cow-boys et des indiens. Eh, mais ouais, grave, c'est une diligence. Ouais, bonne idée. Il faudrait qu'on puisse surveiller l'ennemi devant et au-dessus. Ah ouais, ça a l'air cool comme ça. Mais elle avance comment, votre diligence? Oui. Trop bien. C'est la dernière fois que je pose une question, idiote. On peut toujours rêver. Je crois que je commence à apprécier le piano. Oh, ils font peur, les bourricots. Il aime pas ma musique, le minou. Allez, U. Non, pas U. Je crois qu'on a fait une boulette. Encore un gros voyage sans accroc. On s'ennuierait presque, Davy Rocket. Peut-être qu'il faudrait qu'on trouve un abreuvoir pour nos fidèles destriers. La bourse ou la vie, hein? Aïe, 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 aïe. Attention, Axel. Toute la journée que ça va nous prendre, c'est toute notre vie. Au secours. On se reverra, chien de poubelle. Et vous changerez de rapport. T'es devenu mélomane, poil à pupus. Bien mérité une petite pause, hein, Axel? Ça, on l'a pas volé, hein, ok. On va voir qui c'est le mélomane. Wolfgang Scham Yadeus, c'est à toi. Ils en mettent un temps. On devrait peut-être aller voir. Ou pas. Je suis sûre qu'ils sont encore en train de se disputer. Je vais en avoir le carnet. On y va. Hein? Mais... Oh, j'étais bien, moi, à me dorer la carapace. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend? Plus vite on livre le piano. Plus vite on fait dodo. C'est sûrement un piano magique. J'ai lu une BD comme ça où les instruments prenaient vie. On n'a qu'à l'apprivoiser. N'importe quoi. Moi, je crois plutôt que c'est comme dans les saloons. C'est un piano qui joue tout seul. Il y en a dans les aventures du Kid. Mais bien sûr, regarde un peu, ça ressemble à Cowboy City, c'est absurde. Non, t'as raison, doit y avoir une fée à l'intérieur. N'importe quoi, j'ai pas dit ça. Et qui a parlé de magie? C'est pas parce qu'on a joué à la diligence que c'est le Far West. Magicien pourri. Cowboy en plastique. Bravo. J'en veux plus du piano et je vais plus vous voir non plus. C'est un échange de points de vue, c'est tout. C'est parce que le piano, il... s'est mis à jouer tout seul. Alors on se demandait pourquoi, on s'est un peu enflammé, c'est tout. Oui, c'est ça, enflammé. Mais on s'entend bien, promis juré. Et en plus, vous mentez. Il joue même pas tout seul, ce piano. Je vais plus vous voir. On a plus l'oreille musicale d'un seul coup. Caporal! Caporal! Mais alors... Vous ne disiez pas des mensonges? El maestro caporal. Attendez, j'ai une idée. Caroline, tu vas aller chercher Noisette. Bill et Rocket, vous allez... C'est pas la peine, Caroline, laisse-moi. Quoi, Caro? Il se passe quelque chose? Il y avait quelqu'un qui jouait du piano dans le piano. Hmm.
piano dans le parc. C'est une idée à vous. Mais c'est fantastique. Pour une fois, vous m'épatez, les enfants. En tant que jardinière bénévole du parc, je déclare que désormais, le piano sera à la disposition de tous. À commencer par moi. Laissez-moi vous jouer quelque chose. Et voilà. Bon, il faut l'accorder, mais... Mais il était pour toi, Noisette, ce piano. Tu veux que... Non, c'est pas grave. C'est encore mieux qu'il soit à tout le monde. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi à vous entendre avec Axel. Alors, à ce soir pour le concert. Youpi! On se retrouve à la même... Ah, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano... Et si on lui jouait un morceau à 8 pattes? Bon, il est déjà complètement sonné. Je préfère qu'il se remette avant de lui frotter les oreilles. Où est passé Billy la terreur du Far West? Tu te dégonfles, je tiens mouillé. Il a dû chamouiller. Il a dû chamouiller. Que j'ai vu à la télé. Mais Bill, ça c'est du lancer de disque, pas du frisbee. Arrêtez de vous balancer, j'ai le mal de mer. Ce camion vient de livrer les pièces de la toute nouvelle exposition qui démarre demain au musée. Alors dites-nous le thème de cette exposition. Le thème c'est Sabre Noir, le fameux pirate. Sabre Noir? Il faut savoir qu'avant de faire fortune sur les mers du globe, Sabre Noir a grandi dans notre ville. Hé, hey, le frisbee, il s'appelle Reviens. Bah ouais. Les visiteurs pourront admirer un tas d'objets ayant appartenu à Sabre Noir. Son fameux sabre, bien sûr, et une carte menant à son fabuleux trésor. Une exposition sur Sabre Noir? Dépêchez-vous de venir à l'exposition Sabre Noir, elle ne dure qu'une semaine. Oh, son fabuleux trésor. Tu entends ça, Caporal? Avec ce fabuleux trésor, je pourrais remplacer tous mes vieux gadgets. Mais tu vas t'arrêter de tourner, fichu fauteuil! Ça serait pas du luxe. Pour terminer, avis aux amateurs de légendes. Le trésor de Sabre Noir est, paraît-il, enterré dans notre ville. Et son fantôme veille dessus. À vous les studios! Moussaillon, en route pour le Grand Lac! Ici les voiles! Larguez les amarres! C'est moi, Sabre Noir, le flibustier! Un navire marchand, capitaine! Hissez le pavillon à tête de mort! Vous n'aurez pas mon bateau, maudit pirate! Un homme à la mer! Moi, je suis une tortue marine! Matelot-Bille, à l'abordage! Pour avoir encore le mal de mer, non merci. Hé, c'est quoi ce machin? Hein? Mais non, Moussaillon, l'abordage c'est en face. Qu'est-ce que tu dis de ça, capitaine? Ça alors, on dirait une carte au trésor. C'est comme ça qu'on me remercie. Oh, les épées, c'est le trésor de Sabre Noir. Il est sûrement tombé du camion qui a porté les affaires de Sabre Noir au musée. C'est peut-être un trésor de croquettes. Depuis le temps quand même, elles doivent être périmées. Dommage qu'on doive la rendre. Pas tout de suite. Si on trouve le trésor avant, ça serait top pour le musée. T'as raison. Regardez, il y a des remparts, ça peut pas être chez nous. Il y en a pas dans notre ville. Peut-être qu'il y en avait avant. Faudrait demander à quelqu'un. À Madame Stick, elle connaît par cœur l'histoire de la ville, même qu'elle se fâche quand on sait pas. C'est vrai qu'avec elle, ça rigole pas. Un galion espagnol, flibustier à l'abordage! Encore un gadget détraqué! Bonjour, Madame Stick. Vous saviez si dans le temps la ville était fortifiée?
Tu ne veux pas savoir si j'ai connu les dinosaures non plus. Dis tout de suite que je suis vieille. Bon, oui, il y avait des remparts qui ont été détruits en 1732, bien avant ma naissance, je vous signale. Merci, Madame Stick. Oh, qu'est-ce qu'il mijote encore? Il n'y a plus qu'à trouver où étaient les remparts. On va comparer avec un plan de la ville. À nous le trésor des sabres noirs! Le trésor de sabre noir, c'est moi qui vais le trouver en premier. Ah, voilà que mon périscope s'y met lui aussi. Et une photo de la carte, une. Regardez les vieux remparts et les murs du parc. On dirait qu'ils sont à la même place. Il n'y a plus qu'à visionner ça. Combien de temps elle va mettre pour s'en rendre compte? Un, deux... Ah, c'est pas des photos numériques. Faut que je développe la pellicule sur du papier. Deux et demi, pas mal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait appel à un expert. Bien joué, mon Bill! Si vous voulez le trésor, il faudra être à la hauteur. Être à la hauteur, ça veut dire être capable. Mais être capable de quoi? Chez les animaux, être à la hauteur, ça veut dire être une girafe. Oh, Bill! Et si c'était ça? On peut peut-être voir le trésor si on est à la hauteur d'une girafe. On dirait que Bill a compris un truc. Non, 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 ne me remerciez pas. Regardez, là-bas, ça brille. Ouf, ce n'est pas le trésor. Il devait y avoir un indice là-dedans. Leur sale cabot était là-haut pour une raison. Qu'est-ce que tu en penses, Caporal? Je pense que je serai mieux à la maison. Oh! Qu'est-ce qui réfléchit les rayons du soleil? Des pièces d'or! Pas si vite! Madame Si, c'est passé les professionnels! Attends-moi là. C'est pas le trésor. Cet arbre ne pouvait pas être là au temps de Sabre Noir. Pourquoi pas? Il y a des arbres qui vivent 1000 ans. Tu trouves quelque chose? Encore un message. Le trésor est sous les flots à portée de jumelles. Les flots? Il n'y a pas la mer ici. Non, mais il y a de l'eau. Le trésor est peut-être sous la fontaine. Amusez-vous pour creuser, bande d'amateurs. Il y a quelqu'un? Caporal? Le fantôme de sabre noir. Ces gadgets pourris. Oh, tu tombes bien, mon petit Georges. Mon seul gadget qui fonctionne à merveille.
Laisse tomber, Bill. Le sol est trop dur pour tes pattes. Mais pas pour un robot. C'est moi qui aurai le trésor. Après tout, c'est normal. Si je n'avais rien dit pour les remparts, vous n'auriez pas trouvé. George, tu ne vas pas me lâcher comme tous mes gadgets. Pas toi. Je suis coincé. Sors mon nez. Merci, ça va mieux. Mais non, ça va pas. Allez plutôt chercher de l'aide. Caro, c'est pas le moment de jouer la tortue de mer. Aidez-moi. Le gadget qui ne tombe jamais en panne, Bill. À propos de gadget, activez vos ressorts dans le trou pour agripper George. Vous voyez qu'il vous lâche pas toujours, vos gadgets. Merci. C'est vrai qu'ils ne sont pas mal, finalement. Regardez ce que la tortue de mer a trouvé. Le trésor était vraiment sous les flots. Ta-da ! Il peut pas être là depuis 200 ans. Des pièces d'or. Le fantôme de Sabre Noir. Se venger parce qu'on a le trésor. Surprise! On a tout filmé en caméra cachée. Votre chasse au trésor fera un super reportage pour donner envie aux gens d'aller voir l'exposition. Oh, désolé les enfants et Madame Stick, il n'y a pas de trésor en fait. Quoi? Mais alors les pièces d'or? Elles sont en chocolat. Je vais passer à la télé. Après Sabre Noir, on a une expo sur les agents secrets. Ça vous dirait d'exposer vos gadgets? On a résolu les énigmes, on a trouvé le trésor et on a gagné du chocolat. Ça vaut pas un trésor de croquettes? N'avance pas d'une patte, Bruce Bill. Qu'est-ce qu'il a dit, le gros scarabée? Waouh! Ça va, mon Bill? Tu t'es pas fait mal? Parfait. Et maintenant, goûtez. Hé, hey, tu m'en laisses. Horreur! Une croco-tortue enragée! Tu ne passeras pas! Un croco-bill roux! Personne ne résiste à croco-bill. Chut! Le gâteau trésor est là! Attention aux gardiens des lieux! Ils sont impitoyables! Bah, ils sont surtout là! Zut, ils sont encore plus terrifiants que ce que je croyais! Bravo, fiston! J'adore ta belle imagination! J'étais comme toi à ton âge! Ça fusait, pif, paf, pouf! Un feu d'artifice d'idées, c'était... Tu ne mourras pas par la flatterie, papatosaur! Tiens, grâce à cette baguette magique, je te transforme en escargot! Oh non, je suis devenu tout lent. Et toi, mamanosaure, je te transforme en champignon. En champignon? J'ai une tête de champignon? Non, mais on joue, maman. Oui, oui, on joue, mais dehors. Et puis tiens, mieux que ça. Whiz! Filez chercher des croquettes chez le vétérinaire. Mais on allait atteindre le trésor. On a faim. Peut-être, mais c'est le champignosaure qui a la cuillère magique. Donc c'est lui qui commande. Vous goûterez en rentrant. Oh, j'ai faim. Pas maintenant, caporal. Tu vois bien que je suis occupée. Mais j'ai faim, moi.
Une nanana, un robot, une nanana, qui est beau, un robot, une nanana. Idiot, ouais, il s'est même pas miaulé, lui. Salut. Salut. Tout va bien, Noisette? Non, je suis sûre que j'ai raté mon concours de danse. Il y avait des garçons et des filles beaucoup plus forts que moi. Bah, il faut pas être aussi pessimiste, hein. T'as peut-être raté un truc ou deux ou trois, mais tu l'auras sûrement ton concours. Tu crois? J'en suis sûre. Tu t'es tellement entraînée. Du coup, t'as mis toutes les chances de ton côté. Tu viens avec nous? On va chez le vétérinaire pour chercher des croquettes. Même qu'on fait semblant d'attaquer un grand fort. Ben, pourquoi pas? Je pourrais imaginer comment ce serait si j'avais pas loupé mon concours. Jackpot! Ah, je te tiens! Oui, non. Comment ça s'ouvre ce bidule? Ah. Ah. Fort croquette! La forteresse imprenable! Notre mission est de récupérer les croquettes de Bill! Ils retiennent mon sac de croquettes en otage! À l'attaque! Vous attaquez pour des croquettes? Vous voulez bien jouer les gardiens de Fort Croquette? On va bien s'amuser. Oui, on va bien rigoler. Vous ne passerez jamais. C'est notre territoire et nos croquettes. C'est ce qu'on va voir. Comment on va les empêcher d'entrer? Ce n'est pas les munitions qui manquent. Piégé, on a eu chaud. Non, Bill, c'est un piège. Bill, Caro, ne restez pas à découvert. Attention. C'était quoi? Un baril de poudre, ça va exploser. Toujours en train de jouer à des jeux de bébé. Waouh, j'adore ce jeu, c'est trop bien. Utilisons la poubelle comme bouclier. Bonne idée. Capo, non mais ça va pas la tête? T'énerve pas, sac à puce. On joue à l'attaque de Fort Croquette. De quoi tu me parles, grosse truffe? De croquettes. Là-dedans, il y a mes croquettes et on va les récupérer. Mais en jouant. Mais moi, je joue pas. J'ai faim pour de vrai, t'entends mon ventre? C'est une symphonie. C'est vrai qu'on ne joue pas avec la nourriture. Surtout la mienne. Eh, attention, regardez! Elle est là! Un grand requin jaune! Un grand requin jaune, qu'est-ce que c'est que ces salades? C'est un canard en plastique! Un grand requin jaune! Si on ne trouve pas de solution pour arrêter l'aigle de combat, on peut dire adieu à Fort Croquette. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour qui le nonos qui fait pouette-pouette? C'est pour la tête de Bill! Nonos! Aïe, mais ça fait mal ton truc! Viens par là, toi. C'est pour qui le joli collier? Oh non, je suis touchée. Oh, victoire. Tu m'as eu. Bravo, Caro, super. Non, mon aigle de combat. Je suis touchée. Ok, vous voulez faire joujou avec la loulou? C'est parti. Des nonos. Oups, plus de munitions. Raté. En garde, bouclette. Oh, je suis touchée. Oh. On a gagné. À nous les croquettes. Oh là là, il va falloir ranger tout ça. Ah, vous avez réveillé Super Beto. Nala, Loulou, vous avez perdu. Caro, Bill, sur le carreau. Touché. Boule n'a même pas le temps de réagir. Oh non, Super Beto m'a eu. Génial. Éliminé, princesse. Ouais. Oh, gagné, je suis une légende. Mais qu'est-ce que... Hein? Faites place au maître de Fort Croc, chérie. On est venu chercher des croquettes. Bien sûr. Tenez, les enfants. Merci, monsieur. Au revoir, les enfants, et ne faites pas trop de bêtises, hein? Au revoir, monsieur. Tiens, mon chéri, et ne fais pas trop de bêtises. Hourra! On a récupéré le trésor!
Pff, toujours et encore avec leur jeu de bébé. Oh. Ah, Phil. Un petit sandwich pour un chat affamé. Oh. Cool. Vous avez vu la tête du vétérinaire? Avec tout ça, j'ai presque oublié mon concours de danse. Ils ont surtout bien vu que je n'étais pas là pour rigoler. Et t'as vu, même le vétérinaire, il m'a donné les croquettes en tremblant. Hé, hey, mes croquettes! Qui c'est le plus fort? Vas-y, Roquette! Pas t'énerver comme ça. Ah, et il faut tenir ton chien en laisse, mon garçon. Il a failli me briser les os. Désolé, monsieur. Bill. Tu cherches quelqu'un ou tu fais encore semblant de jouer? Tu veux voir un tour de magie? Vas-y, fais rêver. Tu vois ton sandwich? Et alors? Tada! Tu le vois plus? Non mais c'est quoi ce jeu? Il a fait semblant, il m'a vraiment piqué mon sandwich. Mais maintenant il l'a piqué, chien des bois! On les a bien eus avec leur jeu de bébé. Et fort croquette par-ci, et fort croquette par-là. Allez Axel, t'es pas marrant là. Tu peux nous rendre le sac s'il te plaît? Tu veux pas plutôt jouer à mon jeu? Ça s'appelle Opération les nulos, je cours après des croquettes. Le jeu, Axel, c'est d'imaginer des aventures, pas de voler les croquettes de Bill. On ferait jamais ça à Roquette, même pour jouer. Oui, mais bon... On ne joue pas avec ma nourriture. Maintenant, c'est la guerre. Bill, voyons, il allait te les rendre. Calme-toi, Bill. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Lâche-moi, je vais me faire la tête en triangle isocèle. Tu voudrais pas faire quelques pas de danse pour faire diversion? Parce que ma mère était très bien la côté. Qu'est-ce que tu veux? Me dis pas que tu veux récupérer les croquettes. Bien sûr que non. Je veux ton avis sur mon numéro de danse. Tu sais, moi et le ballet... Peut-être, mais tu peux me dire ce que t'en penses. Alors? Ben, tu danses super bien, quoi. Tu crois? Bah oui. Merci, c'est super gentil. De rien. Hé, Roquette, te gêne pas, c'est ma glace. Salut, Axel, à la prochaine. Ils m'ont eu. Oh, j'ai trop faim. Je ne sais pas où tu es allé traîner, mais tu dois être affamé, non, Georges? Je l'ai rebricolé pour qu'il puisse te préparer de bons petits plats quand je ne suis pas là. Oui, oui. Je suis rassi. J'en étais sûre, Noisette, tu danses super bien. Merci, et vous êtes tous invités à mon prochain spectacle. Allez les enfants, le champignosaure a préparé le goûter. Ouais. Ça c'est la récompense quand on a réussi l'opération Fort Croquette. Nanos. Mais elle va pas lâcher son joujou. C'est l'heure de jouer à Patapoutou-Poutou. Hey! Plus tard, Caporal. Tiens, Patapoutou-Poutou. Voilà, laisse maman travailler. Mais je veux jouer. Oh non, ne commence pas à miauler, tu vas me faire chanter faux. J'en étais où, moi? Non, d'une trompette asthmatique. J'ai oublié mon cours de chant. Caporal, tu surveilles mon arbalète, je compte sur toi. Oh là là, faut que je file. On pourra pas tapoutou-poutou après, promis. Super. Caporal.
Arrière, saucisse! On a un service à te demander. C'est Boule qui a eu l'idée, pas moi. Salut, caporal. Tu accepterais de jouer avec nous? On est des super espions, mais on a pas de super méchants. Du coup, c'est un peu nul. Oh, pathétique. Désolé, j'ai pas le temps de jouer à des jeux de bébé. Tu pourrais être Docteur Cap? Moi, c'est James Boule. Et lui, c'est mon coéquipier, Monsieur B. Docteur Cap? Le terrible Docteur Cap? Mm-hmm. Moi, je dirais l'affreux Docteur Cap et sa tronche de quiche, mais c'est comme tu veux. Hmm. Ok, ok, c'est quoi le jeu? On pourrait dire que... on doit récupérer cette arbalète. Oui, on dirait que c'est une arbalète que le Docteur Cap aurait volée à un musée. Et nous, on doit la récupérer. Hop, 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 pas touche. T'as peur pour l'arbalète de ta maman? Bon, ben d'accord, mais à une condition. Si vous échouez, Bill, tu devras me manucurer les griffes. Quoi? Je crois qu'il est d'accord, Bill. Que le jeu commence. Ok, il est fort. Réunion de crise. On se retrouve à la base secrète. Les mauvais espions du dimanche. D'accord, oui, ne vous inquiétez pas, je serai à l'heure. Assurez-vous bien d'avoir le paquet. Non, il se doute de rien. Je suis la discrétion incarnée. Je dois vous laisser. Ça va, mon chéri? Bien la cabane. C'est dingue tout ce qu'on peut faire avec du bois, hein. Ça, c'était bizarre. Oui, bizarre. Tu cherches l'inspiration? Tu ne serais pas mieux dans ton bureau? Ah non, je crois que j'ai besoin de m'aérer la tête. J'ai pas trop le moral. L'impression de plus savoir dessiner en ce moment. Tu sortais? Oui, non, enfin, si, je dois récupérer un livre. Ah, je viens avec toi, ça me changera les idées. Ah non, 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 je ne vais pas te sortir de ton travail, c'est trop important. Non, mais t'inquiète, je m'y remettrai après. Travail, je te dis. C'est pour toi, hein, que je dis ça. Bah, si tu le dis... Jean maman, vous pouvez nous dire si on peut pas... Non, Boule, j'y vais toute seule. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, c'est bizarre. Agent B, je crois qu'une véritable mission d'espion nous attend. Découvrir quelle mouche a piqué maman. Et pour ça, nous avons besoin de renforts. Agent papa... Hein? Oh, non, 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 j'ai pas le temps, Boule. Je dois travailler et je vais pas me mettre à espionner maman. Ce serait... Trop génial. Allez, papa. Non, vraiment, tu sais, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Tant pis. Viens, Bill. On va regarder des émissions idiotes à la télé au lieu de jouer aux super espions dehors. Alors qu'il fait super beau. Oh, comme tu exagères. Vous pouvez bien vous passer de moi pour... Combien on parie que si je mange des tulipes, je tombe malade? D'accord, d'accord, éteignez-moi ça. Mais attention, je vais l'espion, mais hors de question que ta maman s'en rende compte. Elle serait en colère et elle aurait raison. Attendez-moi, je vais m'équiper. Papa, tu sais, je crois que dans le jardin, maman ne risque pas de nous voir. Un bon agent secret est toujours aux aguets. Il ne doit jamais se relâcher. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, silence. On communique avec les yeux. Ou avec des gestes. Vous l'avez trouvé où, celui-là? Au grenier, c'est un espion comique. Au cas où ça t'aurait échappé, on ne joue plus aux espions. On est des vrais espions maintenant. Et ce genre d'aventure, ce n'est pas pour les chatons qui jouent à patapoutou-poutou. Tu vas regretter d'avoir dit ça, poil à pupus. Ne jamais tourner le dos au pénible, Docteur Cap. Non, pas pénible, terrible, voilà. Ne jamais tourner le dos au terrible Docteur Cap. Ah! Souriez, vous êtes repérés. Tout dans le plexus. Oh, oh, mais c'est mon cher voisin. Qu'est-ce qui vous... Chut, ne me dites rien. Appareil photo, journal, position accroupie, communication gestuelle, vous êtes en pleine filature. Mais non, pas du tout. Je cherchais le meilleur angle pour photographier une mésange. J'adore les mésanges. Ne te
Voix tremblante, nervosité, regard fuyant, vous mentez, ça se voit. Vous manquez encore d'expérience. Dites-moi en plus sur votre cible qu'on n'en fasse qu'une bouchée. Mais non. On a vu un individu super louche tout à l'heure près de la maison. Oh. Et je crois qu'il regardait votre arbalète. Un individu super louche, mon arbalète et mon pauvre caporal qui ne m'en voulait pas, mais le devoir m'appelle. Et je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais tu ne devais pas surveiller l'arbalète. Le voilà. Je compte sur vous. À plus tard. Oups. Qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais non, maman, je te promets, on jouait à chasse d'attue. Si on bouge, on a perdu. C'est papa qui... Papa est avec vous? Oh non, il faut surtout pas que je le croise. Boule, je sens que tu me caches quelque chose. Tu tapes toujours du pied nerveusement quand tu mens. Non. C'est bon, tu peux mentir, je tiens ton pied. Alors, on jouait aux espions et papa avait besoin d'acheter de nouveaux crayons, donc on s'est mis en mission. Trouver les meilleurs crayons de la ville. Rien de bizarre. Vous savez ce que c'est, hein, les enfants. Il faut toujours être derrière eux pour les surveiller. Ah oui, et votre maquette? Vous avez terminé, hein? Je l'attends pour demain à la première heure, ne me décevez pas, hein. Oui, bien sûr, d'ailleurs, il m'avait une idée, là. Tiens, bon, je vais rentrer vite, il faudrait pas que je la perde en route. Ça serait bête, hein. Au revoir. Bon, au fond, ça m'arrange que ton père soit sorti avec vous. J'organise une petite surprise pour ce soir. Il a gagné un prix pour l'un de ses dessins. Je veux qu'il le découvre avec un bon gâteau. Ça lui remontera le moral. Ouais. Et il fallait que je sorte le récupérer et faire des courses sans qu'il ne se doute de rien. Maintenant, je dois rentrer tout préparé. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, sera de retenir papa le plus longtemps possible loin de la maison. Compris? Compris. Avec tout ça, j'ai mal à la tête, moi. Boule, Bill, ben, je suis désolé, mais il faut que je rentre. Je dois finir mon travail. Mais papa, la mission n'est pas terminée. Vous n'avez plus besoin de moi, vous êtes de vrais espions maintenant. Jouez tous les deux. Oh oui, moi aussi je t'aime, Bill, mais je ne peux pas rester avec vous. Alors, on rentre avec toi. D'accord, mais on se dépêche, hein. Oh, Bill, là, ça devient lourd. Ça sent bon chez les lâcheurs. Et si je les privais de 4 heures? Non, oui, je sais. Il était avec les enfants. Oui, mais il ne se doute de rien. Je vous raconterai. Au revoir. Oh, mais on dirait un paquet très, très précieux. Ah, confisqué. Ça, c'est digne du pénible Dr. Cap. Non, oh, terrible, du terrible Dr. Cap. Oui, c'est ça. Mais enfin, Bill! Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Mais lâche-moi enfin! Paul! Le paquet! Il était là et il n'y est plus! Je suis sûre de l'avoir posé sur la table! C'est la cata! Si ton père arrive, la surprise est fichue! On cherche son petit paquet précieux! Vu, caporal! Je sais que c'est toi! T'inquiète, maman, je vais retrouver le paquet! Il est pas très loin! Oh, il est loin d'en dire! Oh, cette fois, j'en ai trop! Oups! Ah! Vous tombez bien, vous! Vous attendez quoi? Qu'il me pousse un œuf de pigeon sur la tête pour apprendre à votre mioche à ne pas jouer au ballon près de ma haie? Quel œuf? Quel pigeon? Je comprends pas, madame Stick. J'ai un peu mal à la tête, là, et vous parlez très, très, très fort. Votre très cher petit a encore balancé son fichu ballon chez moi! Vous me comprenez, là? Oui, là, j'ai compris. Alors, on vient se prosterner devant le machiavélique Dr. Cap? Oh, c'est pas mal ça, machiavélique. Oh, c'est bien. Désolé, caporal, on n'a pas le temps de jouer. On vient récupérer le ballon. Hein? Et qui c'est qui a les meilleurs réflexes? Pour ta gouverne, ça s'appelle une diversion. Et maintenant, prosterne-toi devant l'excellence. À plus, caporal.
suis désolée, Madame Stick, le ballon m'a échappé. J'espère que je vous ai pas fait trop mal. Oh. Tu viens, papa? Oui. Surprise, mon amour! Pour mon grand dessinateur de mari. Oh! Ok, bien joué. C'est vous les meilleurs, j'ai rien vu venir. Il y a eu une mission colis secret, hein? Quand je pense qu'ils m'ont fait croire que c'est moi qui t'espionnais, alors que... Oh! Tu as été élu meilleur dessinateur de l'année par le Festival des Gribouilleurs et... Attends deux secondes, tu m'as espionné, c'est ce que tu viens de dire? Boule! Non, non, du tout, il t'a pas espionné. Je crois que mon petit espion a un léger point faible. Mais il est malgré tout le meilleur pour faire des surprises. Merci, Boule. Bon, moi j'en ai plein les pattes des histoires d'espions. Bah, elle est où, ma babale? La partie est loin d'être terminée, parole du terrible Dr. Cap. Descends de mon fauteuil, tu vas mettre des poils partout. Non, je veux pas y aller. Allez, Bill, je vais être en retard au travail. C'est juste une petite visite médicale chez le vétérinaire, voyons. Je veux pas de piqûre. Oh, Bill, hein? Fais pas ton bébé. On se retrouvera après pour s'éclater comme tous les jours. En attendant, je vais piquer un petit somme. Ouais, enfin, si je reviens. Pas maintenant, caporal. Joyeux anniversaire, caporal. Miam, 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 miam. Oups, j'avais oublié. Bien sûr que je me souviens de l'anniversaire de mon caporal chéri. Il y a intérêt à avoir des super cadeaux. J'ai d'ailleurs prévu une super fête avec tous tes amis au sous-sol. Reste là, le temps que je finalise la déco. J'ai des amis, moi? Oh, ça va être super. Tu vois, Bill, finalement, c'est pas si mal, les visites médicales. Oh oui, pas de piqûres, pas de médicaments, juste un contrôle et un petit tas sans récompense. Bravo, Bill est en super forme. Je vous fais un certificat. Ah tiens, mais oui, c'est l'anniversaire de Caroline aujourd'hui. L'anniversaire de Caro? Tu savais ça, maman? Non. Dire qu'on lui a jamais fêté. On verra ça ce soir. Salut, Boule. Noisette, tu devineras jamais ce qu'on vient d'apprendre. C'est l'anniversaire de Caro aujourd'hui. Génial, il faut fêter ça. On va pouvoir rattraper toutes les fêtes manquées. On va lui préparer une méga surprise. Super, je vais prévenir tous les copains. Rendez-vous à la maison. Bill et moi, on pourrait s'occuper du gâteau. Moi, je voudrais lui offrir un cadeau très spécial. Mais quoi? Je sais, je devrais avoir le temps de le préparer. À toutes. Blanche! Quoi? C'est l'anniversaire de Caroline! On organise une grande fête surprise chez Bill! Une fête pour Caro? Je préviens les copains! Dis, Bill, tu crois qu'on met combien de bougies sur le gâteau de Caro? Ben, comme on n'a jamais fêté son anniversaire... Oh là, c'est difficile, parce que c'est comme si elle était là depuis toujours. Au fait, monsieur, quel âge elle a, Caroline? Caroline, elle a 69 ans. 69 ans? Ça doit être pour ça qu'elle dort tout le temps. Les tortues sont des animaux étonnants. Elles vivent bien plus longtemps que les humains. C'est d'ailleurs un des animaux les plus anciens. Mais alors, elle est hyper vieille. C'est bizarre, elle fait encore du skate. J'ai compris. En fait, Caro fait semblant d'être jeune parce qu'elle veut pas qu'on sache quel âge elle a vraiment. Si c'est vrai, elle va être super vexée si son secret est révélé. Il faut à tout prix annuler la fête. Caporal, c'est prêt. Tu peux descendre. Joyeux anniversaire, caporal.
Joyeux anniversaire. C'est ça, mes amis? Joyeux anniversaire, mon caporal. Et mon gâteau? Pâté de foie de morue aux croûtes de fromage. Et mon cadeau? Qui est à la fois gâteau et cadeau. Tada! Ouf, on est arrivé avant tout le monde. Hé, les amis, regardez ce que je vais faire. Caro, non! Attention, t'aurais pu te faire super mal. J'ai déjà fait bien pire. Oui, oui. Bah, raison de plus pour se reposer maintenant. Hein, Caro? Tu comprends? Mais pourquoi tu pars comme ça, Bill? Le vétérinaire n'a pas bien nettoyé tes oreilles. Et si tu te reposais un peu? Je vais te préparer une bonne petite tisane de feuilles de salade. Une tisane? Mais je suis pas malade. Et pourquoi tu me regardes comme si j'étais un vieux dinosaure moisi? Quelle idée! On veut juste rendre la vie agréable. Tiens, si on regardait la télé, il y a peut-être un jeu pour entretenir ta mémoire. C'est le pire anniversaire que j'ai jamais eu. Vous êtes souvenu de mon anniversaire. Vous êtes de vrais amis. Surprise! Joyeux anniversaire, copain. C'est aussi l'anniversaire de Caporal. Pour Caporal, hip 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 hourra! Hip 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 hourra! 69 ans! Chut! Je savais pas que c'était ton anniversaire. Comme je n'ai pas préparé le cadeau, je vais t'offrir un gros câlin. C'est pas obligé, hein. Ben alors, vous avez commencé la fête sans moi? Tiens, c'est pour ton anniversaire, Caporal. Un cadeau pour moi? Oh. Vous êtes sûr? Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est de la peinture? Peinture pour carabeu, poil de chat. Oui. Oh, la chance! C'est ma couleur préférée. Tu veux l'essayer? Hein? Tout va bien, Caro? Tu veux pas un petit coussin pour te reposer un peu? Allez, Caporal, fais pas ton bébé! Caporal, ça te va? Super bien! On dirait une fleur? C'est l'attention qui compte. Surprise! Loulou, merci pour Caporal, c'est super gentil. Encore un cadeau? Je vais y gâter. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, un ballon! Mais non, Caporal, c'est un chou! Quel super cadeau! T'as vu ça? Il a l'air bien croquant. Incroyable, mais c'est très mauvais pour ton bec. À ton âge, il faut faire très attention. Hé, faut que tu goûtes, hein. Bon, merci les amis pour cette super fête. Mais oulala, il se fait tard, il va falloir que je rentre. Moi aussi, j'ai un cadeau. Joyeux anniversaire, Caporal. T'as vu ça, Caporal? Même Noisette a pensé à ton anniv. Oui. Oh, un cadeau, quelle chance. Oh, regarde, une photo de tous tes copains. Ah oui, tous les copains, sauf moi. C'est vraiment super, Caporal. Comme ça, tu penseras à nous tout le temps. Comme tu dois être content.
Salut les copains. Désolé pour le retard. Tiens beauté, cadeau. Tiens beauté, cadeau. La chance. Trop la classe, skate caporal. Mais je suis nul en skate. Mais justement, Caro va pouvoir te coacher. Elle a une très longue expérience. Penche-toi plus en avant, les bras en arrière, le museau bien droit. Bill, tu crois pas que ce serait plus facile si tu me laissais faire toute seule? Je vais pas tomber, j'ai l'habitude, tu sais. Merci les amis, c'était super. Tu parles, avec des amis comme ça on n'a pas besoin d'ennemis. L'année prochaine je resterai cloîtré chez moi. On a réussi, Caro n'a rien vu. Surprise! On a acheté un gâteau à la salade. Bon anniversaire Caro. Oui, ma Caro, le vétérinaire nous a dit que c'était ton anniversaire. Mais on a eu peur de te vexer si on le fêtait. Alors on a tout fait pour empêcher la fête surprise. Ah bon? Mais pourquoi je serais vexée? Bah parce que t'es super t'es vieille quoi, enfin bah oui, on sait que t'as 69 ans. Respect. Ouais, grave respect. J'espère que t'es pas trop fâchée. Mais pas du tout. Vous savez, les tortues vivent très très longtemps. Alors on ne fête leur anniversaire que tous les 10 ans. Mon vrai anniversaire, c'est l'an prochain. En tout cas, ça nous laisse un an pour organiser une super surprise. Peu importe combien t'auras de bougies sur ton gâteau, tout ce qui compte, c'est de rester cool. Exactement. Et quoi qu'il arrive, tu seras toujours notre petite sœur. Pour Caro, hip-hip-hip, hourra! Alors, c'est moi qui vais le manger, ce gâteau à la salade? Ce midi, gratin de courgettes pour tous! Désolé, Bill, j'ai totalement oublié d'acheter tes croquettes. Pour une fois, tu as droit à de vrais légumes. Il est super son gratin, moi j'adore. Tu sais pas ce que tu perds. Tiens, en parlant de légumes, c'est bon? Délicieux. Un petit bout? Aucun goût. Ben si, un goût de bonne salade bien fraîche. Qu'est-ce qu'il leur trouve à tous ces légumes? Oh, capitaine, vous avez de beaux yeux. Oui. Non, caporal, pas question. Tu as déjà mangé. Il faut que tu arrêtes d'avaler tout ce qui te tombe sous les moustaches. Ce poisson est pour moi. Oh, on ne peut jamais être tranquille. Chère madame, bonjour. Vous avez été sélectionnée pour être la première à découvrir cette merveille technologique. J'ai déjà un nain de jardin. Merci, au revoir. Pas n'importe quel nain de jardin. Celui-ci, en plus de sa beauté incontestable, va vous rendre des services inestimables. Cet objet est pour vous, chère petite madame. Grâce à cette ravissante petite voilà, ici, on la tourne et hop, viens plus. On attend que la lumière soit. Oui, c'est ça qu'on va lâcher. C'est juste une lampe de poche, votre truc moche en plus. Non, madame, il n'est pas moche, il est merveilleux. Au revoir. Oh, bah, il est tombé, dis donc. Oui, allez. De faire fuir les importuns et décourager les cambrioleurs. Décourager les importuns, hein? Vous avez raison. Georges! Georges, raccompagne monsieur. Ah!
Vas-y, Georges, montre-lui ce qu'est un homme jardin, un vrai. Hé, hey, mais c'est fragile, voyons. Bravo, Georges, beau travail. Et maintenant, à table. Hein? Caporal! Caporal! Par ici? Oui, espèce de coinfre! Tiens donc, ce serait donc cet épouvantable coquère qui aurait chapardé mon poisson? Oh la sale bête! Je vais t'apprendre, moi, à rentrer chez les autres! Crapule! Voyou! Tu crois pouvoir t'en tirer comme ça, canaille? Attends un peu que je prévienne tes maîtres! Espèce de vaurien! Scélérat! Hé, ça va pas? Qu'est-ce que t'as encore fait? Moi, rien! C'est toi qui lui as piqué son poisson! T'es trop gourmand, mon grand! Non, mais j'ai rien volé du tout! Et cette arête-là, devant toi, elle est tombée du ciel, peut-être. Encore un de tes mauvais tours. Tu vas passer un sale quart d'heure. Bill, c'est pas le moment de vous disputer. Le gratin est prêt, tu devrais venir le goûter, au moins. Pas les courgettes. Plus fin. T'as trop mangé de poisson, il était bon. Je crois que tu vas devoir aller acheter des croquettes dès maintenant. Les légumes et Bill, c'est pas pour aujourd'hui. T'as raison, je vais en chercher et je ramène Bill, sinon il va bouder toute la journée. Roquette! Roquette! Salut! Salut, t'as pas vu Roquette? Le temps que j'éternue et hop, plus de chien! Non, pas vu, je cherche Bill. T'as plus de laisse? J'en ai plus besoin, il a un nouveau collier connecté avec ma montre. Mais ça a pas l'air de marcher terrible, tu vas au parc? Ouais. Je vais avec toi, il est peut-être là-bas. Ok, j'espère qu'on va les retrouver. Bill déteste le gratin de courgettes et il y avait que ça à la maison. Il doit être mort de faim, du coup, bah, je vais acheter ses croquettes préférées. Il est drôlement capricieux, ton chien. Roquette, je lui fais manger des épinards sans problème depuis une semaine. Ça rend super fort et il va être encore plus au top du top. Ouais, mais en attendant d'être au top du top, il s'est échappé, ton champion. Comme le mien. Au revoir, madame. Brioche. Mais qu'est-ce que... Hé, reviens, espèce de voleur. Oh! Ah non, moi j'ai rien fait, là. Oh, tu paies rien pour attendre, toi, petit voleur. J'adore cette journée. Mais j'ai rien volé du tout. C'est Roquette, il est parti par là. Tu peux aboyer tant que tu veux, je t'ai pris sur le fait, fripouille. Tu vas venir avec moi chez tes maîtres et on va s'expliquer. Waouh, c'est ma fête aujourd'hui. Oh non. Dis donc, toi, te gêne surtout pas. T'inquiète pas, je te retrouverai. Je t'ai reconnu. Oh, je sais pas où ils sont passés ces deux-là. Bill, c'est pas grave, il a l'habitude de traîner tout seul. Mais Roquette, il a dû se perdre. Il doit être paniqué sans moi dans la ville. Il avait peut-être envie de se faire une petite balade tranquille, sans laisse, ton super toutou connecté. Impossible! Un chien aussi bien dressé que Roquette ne ferait jamais un truc comme ça. Et tu devrais l'éduquer aussi, ton Bill, à commencer par les légumes. Un chien, ça doit obéir à son maître. Roquette! Ici, Roquette! Au pied, mon chien! Je suis son maître, mais surtout son copain. Bill! Bill! Attention, attention! Pousse-toi! Des soucis, Bill? Et pas qu'un peu, Caporal m'a fait passer pour un voleur. Boule veut me faire manger des courgettes. Pourquoi? Roquette a piqué une brioche et la boulangère croit que c'est moi. Et maintenant, elle me court après. Des courgettes? Mon pauvre vieux! J'ai 2-3 os à moelle en cas d'urgence. Et là, c'est une urgence, hein? On va chercher Ming et on se fait un petit repas peinard. Ensuite, on s'occupe du reste. Roquette, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul? Roquette? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais je te connais, toi!
T'es bien la copine du petit gars qui a un cocker. Bonjour, oui, Boule, pourquoi? Son chien vient de me voler une brioche, figure-toi. Tu l'as pas vu passer par hasard? Une brioche? Non, j'ai vu personne. Mais Bill, c'est pas un voleur. Vous devez vous tromper. Pas du tout. Moi aussi, je l'ai vu. Il m'a fait tomber et son copain, le gros chat noir de Madame Stick, s'est mis à manger tous mes sushis. On va les retrouver et ils vont passer un mauvais quart d'heure. Prévenir Boule. Vite. Le v'là. Venez, aidez-moi à attraper ce fourbe. Menteur, escroc! Tu vas le regretter, ton poisson! Bill a volé une brioche! Non, Roquette a mangé une brioche et le livreur de sushi, la boulangère! Ils vont attraper Bill et Caporal! Roquette mangeait une brioche et le livreur de sushi! Impossible! Roquette n'a jamais mordu personne! Bill n'a jamais rien volé, je comprends rien à ton histoire. Respire et raconte. J'étais au parc et j'ai vu Roquette en train de manger une brioche. Tu crois quand même pas que Roquette aurait volé une brioche? Tu sais, avec ce que tu lui donnes à manger, ça serait pas étonnant. Ah ça, il va m'entendre. Non mais manger des brioches. Une semaine d'épinards, ça remplit pas le ventre d'un molosse comme le tien, c'est normal. Il avait faim ton chien, c'est tout. Une semaine? Pauvre Roquette. Moi, j'aurais pas tenu 2 jours. On fonce. Bill a besoin de moi. Ensuite, on cherchera Roquette, promis. Bill a sûrement dû le croiser. Si, si, votre chien est le chat de Madame Stick, celui qui boulotte tout ce qui traîne. Ouais, on me la fait pas, moi. Hein. Il en avait encore plein les pattes de la brioche, je vous dis. Alors, racontez-moi tout ça calmement. Qui a volé quoi et mangé qui? Y'a erreur! C'est le poisson qui est venu tout seul! Alors, Minou tout moisi, on rigole moins maintenant, hein? Et ta maman, elle est pas là pour te protéger, hein? Ah! Mais c'était une plaisanterie, voyons! Juste pour rigoler! Rigoler? Je vais te faire rigoler, moi! J'adore les plaisanteries! Hé, les gars, ça vous dit de jouer à chat? Celui qui m'a fait tomber, celui qui a mangé mes sushis! Il faut me la payer, cette brioche, monsieur! C'est pas lui, je vous dis! Bill, c'est pas un voleur! Oh, je l'ai vu de mes yeux! Roquette, c'est ça! Une brioche! Pipette de toute! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Piton! C'est pas à vous, ce vaurien, qui traînait chez moi! Roquette! Où t'étais passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de brioche? Débrouillez-vous, mais il faut me la payer, cette brioche! Oui, je vous la paye. Je pensais pas que t'avais faim à ce point. Désolée, mes parents m'ont dit que les épinards rendaient costaud. Ce soir, beefsteak, ça te va? À plus tard. Oh, Caporal, il faut me rembourser les sushis que votre chat a mangés, madame. Devez pas être bien frais, vos sushis, mon cher. Regardez un peu dans quel état est mon chat. Vous allez entendre parler de la note de mon vétérinaire. Mais attendez! Oh, c'est pas grave, Bill. Tu devrais oublier cette histoire de poisson. Regarde, Caporal en a tellement mangé qu'il en est malade. Dans mon ventre! Tu perds rien pour attendre, toi. Voyons voir ce que les caméras de surveillance ont pu filmer dans la maison ces derniers jours. Hein? Ok, on y est. Il n'y a plus qu'à plier l'indice. Et voilà. Bill, tu peux m'apporter la surprise suivante, s'il te plaît? Super. Essaie de deviner la prochaine cachette avec l'indice que je te donne. Quand ma tête rase le sol, mes pieds touchent le ciel. Bastoche. Les pattes en l'air et la tête en bas. C'est la balançoire. T'es trop fort, mon Bill! Allez, le premier arrivé à la balançoire a gagné! Pas un bruit! Ce programme robot ménager est parfait!
Oh, miam, miam. Tiens, tiens. Par ici, tête de boulon, tu vas m'aider à faire tomber ce lit. Non, caporal, laisse donc Georges finir son nettoyage. Avec Bill, on a déjà tout caché. Les indices pour trouver la cachette suivante et les surprises. Oui, des surprises. Ce fichu matou louche encore sur le nid. Il va voir de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, Bill, qu'est-ce que t'as? Encore Axel. Regardez, il fait le malin avec son nouveau drone. Ouais, micro et caméra intégrée. J'ai tout capté de ce que vous mijotez dans la cabane. Un jeu de piste. Et pourquoi pas des dominos pendant que vous y êtes, bande de bébés. Et alors, c'est hyper bien les jeux de piste. Et si ça te plaît pas, on s'en fiche car t'es pas invité à jouer. Laisse tomber, il est juste jaloux. Non, trop content de ne pas participer à un jeu aussi ringard. N'importe quoi, avec mon drone, je peux trouver les indices de ton jeu minable en 2 secondes. Hein? Tout va bien. Caporal s'est encore pris le petit moulin à vent de Madame Stick. Bien joué, Bill. Mais il va arrêter de faire bzz, lui. C'est insupportable, dégarpille, moustique. Quel maladroit tu fais. Et que je ne t'y reprenne plus. Oh non, mon drone! Vous allez me le payer. Caporal, Axel, son moustique et Georges. T'es trop fort, Bill. C'était un jeu d'enfant. Je ne pensais pas qu'Axel laisserait tomber si vite. Mais comme tous les casse-pieds ont maintenant débarrassé le plancher, place au jeu. T'entends ça, Caro? Encore le bzzz. Père, c'est dégoûtant. Une feuille de salade presque neuve. Trop de chance. Miam, je vais me régaler. Je crois qu'il y a Roquette et Axel dans les parages. Mais enfin, Bill, tu as des hallucinations. Tu vois bien qu'il n'y a personne. Alors, Bill, on perd la boule? Oh, bah ça alors. Elle est passée où, ma salade? Waouh, vous avez vu? C'est tout propre. On n'a même pas entendu passer le camion poubelle. Avec le raffut qu'a fait Bill, c'est pas étonnant. Vous êtes prêts? Premier indice. Tournicotis, tournicota, telle une toupie, je tourne en rond. Une toupie? Je sais, un bocal à poisson. Je crois que je sais. Bien joué, Caro, t'as trouvé. Oh ben non, y a rien. Je l'avais pourtant mis là. T'es sûre de pas avoir loupé l'indice? Ou alors, c'est le vent qui l'a embarqué. Avec la surprise aussi. C'est pas grave. Je me souviens de tous les indices. On passe au suivant, d'accord? Ah ouais, ouais, carrément, vas-y. Galets, pierres ou cailloux sont trop petits pour grimper dessus. Trop petits pour grimper dessus. Plus gros qu'un caillou, c'est un rocher. Oh, je sais, les rochers sous la colline. Vas-y, Caro.
Alors, vous trouvez? Non. Ben non, hein? Y'a rien. Là, c'est pas possible. Y'a un os. La seule solution, c'est de vérifier toutes les cachettes. Pouf, le bassin. Noisette, tu vois la planche cassée de la palissade? Bill et Caro, vous cherchez par là. Hein? J'ai rien trouvé. Pareil, nada. Nous non plus. Pas mieux. C'est dingue, on dirait que tous les indices ont disparu. Et toutes les surprises aussi. C'est pas juste, le jeu est gâché. Qui a bien pu faire ça? C'est fini alors? Plus de jeu? Ça sent l'embrouille, il faut chercher qui a piqué les indices et les cadeaux. Et si on ratissait le terrain? Tu as raison mon Bill, il y a forcément des traces. Ce n'est plus un jeu de piste qu'on va faire, mais une vraie enquête pour découvrir qui a bien pu faire ça. Qui est pour... Ouais. Moi. Hé, par ici, il y a des branches cassées à hauteur de gros chien. C'est étrange, il n'y a pas d'odeur, pas d'empreinte de pattes ou de pas. On a affaire à un professionnel, on dirait. Bill avait raison, Axel est peut-être bien dans le coup. Un monstre dans le parc? Ah ben voilà, en parlant de monstres... À l'attaque! À l'attaque! Grillet, c'est toi qui as piqué tous les indices. Et les surprises! Quoi? Tu te moques encore de nous, c'est ça? Non mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais pas, mais il a l'air gonflé à bloc. C'est Georges! Vous croyez que c'est lui qui a tout aspiré? Même les indices et les surprises. Alors c'est pas toi et ton drone. Le robot était déjà là, il aspirait tout. Il a même voulu aspirer Rocket, mais il s'est enfui. T'as dû avoir peur? Je me suis cachée. Et en plus, il a avalé Caporal. C'est trop affreux. On ne va pas laisser ce tas de ferraille digérer Caporal. On ne sait même pas où il est parti. Si tu veux, je peux pister le robot. Grâce à mon drone, on peut voir où il est. Là, regardez, on le tient. Caporal, vous allez avoir de mes nouvelles. Ah, te voilà. Georges, stop! Qu'est-ce que c'est que ce bug? Plus rien ne fonctionne. Oh! Caporal, mon chaton! Georges, au pied! Oh, Georges, mais qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille, Georges! Laisse maman tranquille! Si on ne fait rien, Madame Stick va se faire avaler! Il faut désactiver Georges! Bill, à toi de jouer! Non, Georges! Ne m'attends pas! À rien de taper comme une brute. La touche verte, puis les deux touches rouges ensemble. Bien reçu. 5 sur 5. Tu vas t'arrêter, oui ou... Ce n'est pas fini. Tous aux abris. Chaton d'amour, oh, tu n'as rien. Promis, c'est fini. Plus de robots ménagers.
Cette fée du logis avait tout d'une sorcière, tu trouves pas? Sans le balai. Merci, les enfants. Ce robot aura besoin d'une bonne révision avant d'être à nouveau opérationnel. Bill, tu as sauvé Caporal. Je ne l'oublierai pas. Tu es une recrue de tout premier ordre. Repos. En attendant de se reposer, on peut vous aider à tout nettoyer. À 5, ça ira vite. À 6 même. Plus on est de fous. Bravo, Boule, tu es un grand peintre. Ouais, tu t'es surpassé. On peut pas dire qu'elle serve à grand chose, cette niche, mais bon. Bah si, quand même, il y a tous nos jouets dedans. C'est notre boîte à souvenirs. On aurait presque envie d'y habiter. N'exagérons rien non plus. Je vais aller nettoyer le pinceau. C'est vrai qu'elle est pas mal, hein. Ouais, ben vu l'odeur de peinture, c'est pas demain la veille que je vais coucher là-dedans, hein. Oups, grosse boulette. Boule, t'es là? Je crois que j'ai fait une petite bêtise de rien du tout. Ah bah mince, v'là que j'en ai sur les oreilles maintenant. Mais tu vas partir, sale peinture. Non. Oh oh. Boule, Bill, faites attention au dessin de papa. C'est pour son travail. Il redescend tout de suite. Oh, trop tard. J'ai pas entendu, qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il y a des taches absolument partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Espionner n'empêche pas d'avoir du sentiment. Tu vas comprendre, mon petit Georges, ce que ça veut dire grâce à cette puce à émotion que j'ai fabriquée rien que pour toi. Elle est belle, hein? Ce qu'il faut pas entendre, un robot avec des émotions, pourquoi pas un chat qui parle? Mais enfin Bill, hein? Tu as saccagé le travail de papa! Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Oh, qu'est-ce que c'est encore? Bill ne l'a pas fait exprès, maman! C'est qu'un peu de peinture, ça vaut la peine! Mais tu te rends compte? Oh, hein? Mais qui est l'artiste? Splendide! Hein? Montrez-moi! Oh! Fantastique! Bonjour, Madame Stick! Vous aviez un Picasso chez vous et vous ne me disiez rien? C'est une peinture de... C'est sublime! Ah, enfin quelqu'un qui reconnaît mon talent! Enfin, vous savez, c'est le chien qui... Le chien? Mais c'est génial! Un chien qui peint comme Picasso, son nom est tout trouvé! C'est Picapo! Pica quoi? Oui, ça lui va très bien! Enfin, avec Bill, ça serait plutôt Picassiette! N'importe quoi! Non, Georges, ce n'est pas le moment. Retourne dans le jardin. Qu'est-ce qui se passe? Zut, voilà papa, ça va barder. Eh ben viens voir, regarde ce que ton chien a fait sur ta peinture. Mon cher monsieur, votre chien est un véritable génie. Ça m'aurait bien arrangé s'il avait fait ses œuvres sur des feuilles blanches, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ah ouais, je suis un génie, moi. T'as vu, Bill, c'est trop cool. Tu plaisantes. Non, sérieusement, il y a quelque chose. Allez, c'est pas tout, mais je file à ma présentation. Mais t'es sûr que la toile ne va pas te manquer, papa? Ne t'inquiète pas, mon bonhomme, j'ai tout ce qu'il faut. Vous permettez? Mon cher Picapo. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire de toi une star de la peinture. Bill, t'aimerais devenir un grand peintre comme moi? Évidemment, tu auras droit à des croquettes, des os à moelle, bref, ce que tu désires. Ah oui? Oui, là d'accord, si on prend par les sentiments. Et ce bleu, je vais le breveter, on l'appellera le bleu Bill. N'écoute pas, il y connaît rien en peinture. Et toi, tu t'y connais peut-être? Le seul rapport que t'as avec la peinture, c'est que je peux pas t'encadrer. Cause toujours, je vais aller l'arranger moi, ta peinture. Y a tout un tas de croquettes et un paquet d'os à moelle en jeu, tu vas rien faire du tout. Bill, laisse-le. Caporal, laisse Picabo tranquille, c'est un artiste. Tu ne peux pas comprendre. Espèce d'artiste raté. File d'ici, c'est une propriété privée. Alors explique-moi comment tu voulais arranger mon œuvre. Parce que t'appelles ça une œuvre, mais tu l'as bien regardée. Caporal, fiche la paix à mon artiste. Ouah, mais n'importe quoi. Mouf, mouf, espèce de jaloux, va. Bill, tu es attendu pour créer. Allez, ouste. Et on ne tire pas la langue.
Bon, vas-y, dépêche-toi. Plus vite tu auras fini, plus vite tu auras tes os. Et plus vite on ira jouer. Allez, Bill, tu peux le faire. Ah, j'ai pas l'inspiration. T'as pas besoin d'inspiration. Il faut juste que tu trempes tes oreilles dans la peinture et que tu éclabousses la feuille. Allez, Picabo, pense aux os. Tu sais ce qu'il te faudrait? C'est un modèle. Un modèle qui t'inspire. Si ça peut aider à faire venir le wagon de croquettes, je suis tout à fait d'accord. Espèce d'escroc! Tu commences, Caroline. Vas-y, Bill, c'est le moment de peindre. Comme ça, ça va? Non, 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 ça ne va pas. Comment tu veux que j'arrive à te peindre si tu bouges tout le temps? La la la. Caroline, attention. Non mais elle fait quoi là? Bon allez, c'est mon tour, je vais poser pour le grand Picabo. Et applique-toi, j'ai faim moi. Oh, quel talent. Bon, tout ça c'est bien beau, mais je n'ai toujours pas d'inspiration moi. Alors, où en est mon génie? Hein? Caporal, tu empêches mon artiste de créer. Quoi? Mais j'ai rien fait. File d'ici immédiatement. Continue de faire le whist, Titi Boule, si ça stimule Picabo. C'est parfait. Un génie, c'est comme une plante. Ça a besoin d'engrais. Hein? Personne ne t'a demandé un sac d'engrais. Allez, allez, Picabo, au boulot. Picabo au boulot, Picabo au boulot. Elle a qu'à les faire, ses peintures, si c'est si fastoche. Tu n'y arrives pas, Bill, hein, c'est ça? Bah, si, mais quand je pense à l'avalanche de friandises que je vais avoir, ça me stresse et ça m'empêche de peindre. Je crois que j'ai une idée pour toi, Bill. On va bien voir si tu continues à avoir la cote avec ma maîtresse sans peinture. Georges! Mon petit Georges, ces peintures vont décoiffer. Qu'est-ce que c'est? Un sèche-cheveux maintenant. Décidément, mon pauvre Georges, si ça déclenche chez toi un humour aussi pitoyable, cette puce à émotion est à revoir. Hein? Où est passé le pot de peinture? Pas de peinture, pas de peinture. Pas de peinture? Pas d'os à moelle. Pas de Samuel, pas de peinture, pas de Samuel. Pas de peinture, pas de Samuel, pas de peinture, pas de Samuel, pas de peinture. Tiens, mais c'est le roi du coloriage. Et c'est le roi du chapardage qui parle. Rends-moi mon pot de peinture. Oh, ah, mais bien sûr, tout de suite. Adieu, Bill. Désolé, mais tu prends trop de place auprès de ma maîtresse. Bill, tu vas y arriver. Tu dois y arriver. J'ai la tête vide. C'est pas avec ta tête que tu peins, c'est avec tes oreilles. J'ai eu de la chance la première fois, mais ça marche plus. Je me voyais déjà plongée dans une piscine d'os à moelle. Mais je sais ce qui te manque. Le talent. Un modèle de peinture. T'as compris ce qu'il voulait faire? Bull trouve toujours une solution. Et là, je lui dis, magnifique cravate. Bref, j'ai cartonné. Oh, c'est super. S'il te plaît, papa, est-ce que je peux prendre tes peintures qui sont dans le grenier? Oh oui, ces vieilles croûtes, tu peux, mais ne les abîme pas, j'y tiens quand même. Merci, papa. Là. Et voilà. Allez, les amis, réveillez-vous. Quoi? Quoi? C'est moi qui ai peint tout ça en dormant? Non, je crois qu'en dormant, tu as dormi. C'est tout. T'as plus qu'à copier un de ces modèles. Je vais plonger dans un océan croquette, c'est grâce à vous et ça va être trop chouette. C'est pas vrai, ce nul va finalement réussir à prendre ma place auprès de ma maîtresse. Mais j'y pense. Il a pas pu faire tous ses dessins en si peu de temps. Arrête de jouer avec les peintures de mon papa. Tu vas les abîmer. Tiens, tiens, je me disais aussi que c'était trop bien pour être de toi.
appelle-moi juste Picabon, celui qui va avoir de gros os. Y a Madame Stick qui attend ses peintures. Oups, j'avais oublié celle-là. Je vais aller tout dire à ma maîtresse. Hey, les peintures de Bill, c'est pas de Bill, c'est du papa de boule. Oh, mais c'est vrai que Picabo a dû terminer ses œuvres. Faut pas les croire, c'est des menteurs. Mille missions d'espions, ça y est. Alors tu n'as toujours pas d'inspiration? Bah non, ça vient pas. Alors, ses œuvres? Qu'est-ce que c'est que ces cochonneries? Ben, c'est-à-dire que... Comparé à ça! Mais qui a fait ces chefs-d'œuvre? C'est très beau. J'avoue, il est magnifique. C'est moi qui l'ai découvert. Je ne parle pas de ce gribouillage. Non, je parle des autres peintures. Ça, c'est mon papa. Ces gouaches sont magnifiques. Aucun goût. Nul, nul. Je connais une galerie qui sera ravie de les exposer. Hé, hey, on avait un marché. Hé, hey, oh. Viens, mon caporal. Laissons cet ingrat. N'oublie pas de négocier pour moi, hein, au moins des croquettes. Oh! Qu'est-ce que c'est? J'y suis! C'est la puce à émotion qui fait enfin son effet. Georges, nous allons faire de grandes choses tous les deux. Je ne sais pas quelle est la mocheté qui a servi de modèle, mais c'est admirable. Oh bon sang, arrête, arrête, arrête! Bravo à vous trois. Grâce à vous, papa va faire une exposition. Sans Bill Picabo, il ne se serait rien passé. C'est tout à fait vrai. Et du coup, qui c'est qui a une belle récompense? Comme quoi, le talent, ça finit toujours par payer.